j'ai envie de faire un peu d'essai pour voir comment ça se passe. Et j'ai trouvé ça super, alors je vais essayer cette année. Et après, on verra. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous lui avez montré au ministre? Bah, je lui ai montré la pièce qu'il faut, un élément de la plus grande pièce qu'on va faire. D'accord. Voilà, que je suis en train de penser. Qui fait partie, comme vous avez vu, de la plus grande pièce qu'on va faire à la fin. Et bon, voilà, on verra à la fin ce que ça va donner. Vous êtes en quelle classe? En seconde. Ouais. Vous gardez le lien avec ceux qui ont été vos élèves? On garde. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, on est en train de faire un bac évident. En fait, la baguette est en bas. Mettez un baguette en bas. C'est comme ça qu'on apprend. C'est cassé. Ça. J'utilise pas le ciseau. Alors vous êtes content de leur travail? Oui. Enfin, après, vous voyez, sur l'ensemble, ils ont bien travaillé. Là, c'est la finition de socle par-dessus, quoi. Le panneau par-dessus. Donc là, on a fini le projet aujourd'hui. Voilà. Vous voulez superviser la finition? Ouais. Ils sont divisés en trois. Il y a trois équipes de deux. Une, deux, trois, personnellement. Et ils fonctionnent comme c'est les mêmes tâches. Ils se partagent les tâches. Ouais. Et vous faites une étude des différents bois ceux qui sont plus charpents, plus... Ah oui, mais nous, on est en menuiserie, du coup, on commande, on fait en sorte d'avoir du bois de menuiserie. Pardon ? On fait en sorte d'avoir du bois de menuiserie. Oui. Là, on travaille avec le hêtre. Un coup de mélèze aussi pour l'extérieur. Un peu de mélèze à l'extérieur. Oui, mais comme on est en menuiserie, on ne travaille pas à l'extérieur. Maintenant, oui, en construction bois et charpente bois, oui, on fait ça. Parce qu'il y a des objets, c'est... Vous bougez de groupe en groupe comme ça, et est-ce que les élèves, vous bougez aussi ou vous restez bien à vos places? Comment ça se passe? Comment on vit l'espace en fait? Ça dépend en fait, comment dire, on se répartit les tâches et chacun différemment, il y a une qui est un peu plus.